Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est toi pour une nouvelle vidéo qui va s'intituler une petite vidéo. Je vous montre ce que j'ai, toutes mes chaussures en fait. Voilà. Et du coup je vais commencer, je vais prendre au hasard. Celle-là, qui gêne. Celle-là, je sais pas si c'est la bonne pointure, mais ma mère me les donne. Je crois que c'était à mon frère avant, je sais pas trop. Elles ont du vécu, on voit. C'est les tailles 37, je sais pas si c'est bon. Parce que normalement, je mets 37,5. Il y a mes Adidas que je mets tous les jours. Je ne me rappelle plus où je les avais achetées. Mais voilà. Les ça, c'est des Tom Taylor. Je sais même pas non plus où je les ai achetées. Parce que... ma mère ou quoi, je me rappelle plus, mais voilà. J'ai des Nike. Ils sont bien, sauf qu'ils se salissent très vite. Mais... autrement, elles sont bien. Vous voyez, elles sont sales. Je sais pas comment je vais faire pour les nettoyer. Elles sont rousses comme ça. De sport, bah mes chaussures de sport d'ailleurs, demain j'ai sport, du coup il faut que je les ramène, faut pas que je les oublie. J'ai des chaussures d'hiver, je crois que j'avais acheté en Allemagne, je sais plus. Des bottes. Là, c'est sûr que je les ai achetés en Allemagne. Ah non, c'était les bottes que j'avais achetées là en Allemagne. Je les ai achetées à 13. C'est de la bonne qualité. Ils sont pas cassés. Ça sent vraiment le cuir. Voilà. Je vais mettre là. Voilà. J'ai des bottes de neige. Ah oui, celle-là, c'est taille... celle-là, c'est taille 39, il me semble. Je vais vous dire les tailles. Les petites là, c'est taille 37, il me semble. Celle-là, c'est taille 38. Les Nike, c'est taille 38 ou 37, je sais plus. Les autres, c'est taille 37. Et celle-là, c'est taille 38. Que j'avais acheté. Ah oui, je me rappelle. Je les ai achetées à un marché. Voilà. Ces bottes de neige là. Sont fourrés dedans. Taille je sais pas quoi. Il me semble que c'est du 38 apparemment. 37,5, 38. Je ne sais pas. Je vais les mettre là. Je vous ai dit, j'ai tellement de chaussures que... je vais tous vous les montrer. Bon, il y a des chaussures que j'ai récupérées de ma mère aussi, hein. Bon. Voilà. Bon. J'essaie de me dépêcher avant que j'ai plus le temps de filmer. Voilà. J'ai des chaussures de plat. Je sais pas c'est quelle pointure. Pour aller dans la mer. Ah, c'est taille 40-41, je les ai récupérés de ma mère, je crois. Ah non, c'est à ma mère, ça, qu'est-ce que je fais avec? Bref, c'est pas à moi, il faudrait que je rende à ma mère. J'ai oublié. J'ai cru que c'était les miennes, parce que j'en avais. Mes baskets qui sont des Puma et qui sont de la taille. Celles-là, je les avais achetées. Elles sont
en piteux état, on peut le dire. Mais je peux toujours les mettre. C'est juste le devant qui est un petit peu pété. Voilà. Je crois que c'est taille 37, 38. 37,5, il me semble. Ouais, 37,5. Parce que je les ai achetés l'année dernière. J'ai des ballerines roses. Piteux état aussi. Qui sont de Tamaris. C'est du 37. Il faut juste que je les lave. Mais autrement, elles sont roses. Elles sont hyper jolies. J'ai des sandales que j'avais achetées à Chausse Expo. Au Belval. Elles sont un peu sales. C'est de la marque Esprit. Elles sont comme ça avec des étoiles argentées. J'ai des tongs. J'ai les mêmes que ma mère. Taille. Il y a plus marqué la taille. 37-38. Je sais plus entre les deux. J'ai ces chaussures là, mais je crois que je suis encore trop jeune pour les mettre. Je sais pas. C'est ma mère qui me les a données. C'est taille 39. C'est un petit peu trop grand. En plus, j'ai encore marqué le prix derrière. Ok. Ils viennent de chez Tamiko. Je sais pas. Mais elles sont comme ça, avec des bling bling dessus. Nous, en Luxembourg, j'ai des bling bling, hein, c'est pour ça. Celles-là qui peuvent m'aller, c'est du 39. Ça peut servir de tombe. Ok. Celles-là qui sont très jolies. Par contre, c'est du 38. Celles-là, elles peuvent m'aller. Elles sont très jolies. C'est à ma mère, tout cela, elle me les donne. Encore des tongs. Taille 36-37, ça marquait. Ils sont normalement avec des flammes roses, sauf qu'on les voit plus. Et la dernière, qui sont hyper belles, je sais pas c'est du combien. C'est à ma mère, c'est du 38. C'est encore un peu trop grande. C'est des Converse, du coup, qui c'est à ma mère et qu'elle me donne. Elles sont super belles. C'est des noirs un peu pailletés comme ça. J'en avais en blanche, sauf que je les ai jamais mises. Et elles sont devenues trop petites. Et du coup, voilà. Mais j'ai celles-là qui sont très jolies. Noires. Elles sont très jolies. Mais vraiment, je les mettrai, mais... C'est du 38, en plus, ça risque d'être pas trop grand. Je verrai bien. Par contre, pour les enlever, après faire les lacets, ça risque d'être dur. Du coup, je pense... si je les mets déjà, ce sera pas demain. Ce sera plutôt le vendredi des vacances. Parce que moi j'aurai pas besoin de les enlever, refaire les lacets, etc. Et puis voilà. Du coup, on a fini sur toutes mes chaussures. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Bye. Et je vous ai dit, je crois, toutes les tailles. Mais toutes les chaussures là, je les ai achetées. Et voilà, il y en a que j'ai acheté depuis 2 ans, il y en a que j'ai récupéré, non, il y en a que j'ai acheté l'année dernière plutôt. Il y en a que j'ai récupéré de ma mère. Et voilà. Du coup, bye, mais c'est la première fois que je fais cette vidéo sur cette chaîne et voilà quoi. Je vous ferai peut-être une vidéo comme ça aussi. Mais pour toutes mes vestes, en gros, par exemple, veste bigomie, etc., etc., je vous ferai tout ça.